Alors, vite fait, petite représentation rapide du FT011. Normalement, on est en été, mais je dis normalement parce qu'on est en juillet quand même. Donc, je me suis repris un. C'est en fait, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est le tout premier modèle qui a été unboxé sur la chaîne. C'est la première vidéo de la chaîne, il y a plus de 2 ans. Donc, c'était ce FT011. Donc, c'est un bateau brushless, tout en coque ABS, qui navigue en 4S et ça va à 50 km/h. Voilà, d'origine, vous le prenez, ça va à 50 km/h. Donc ça vient avec une lipo, la radio, qui est un protocole FlySky, et la bête. Donc la bête, ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit caoutchouc devant pour éviter de casser. Il est mouillé parce que, en fait, je voulais celui-là. Pourquoi? Parce que déjà, je ne voulais pas dépenser 10 000 et des cents. Donc c'est un bateau qui vaut neuf dans les 100, 120 € selon le nombre de batteries que vous prenez sur AliExpress. Ce qui est génial, c'est qu'il a un système anti-retournement, mais sans caisson. Hein, la plupart des systèmes anti-retournement ici, vous avez en fait un caisson vide. De vide, et en fait, quand le bateau est à l'envers, ce caisson se remplit, fait de poids et ça fait naviguer. Lui, en fait, c'est par entre guillemets géométrie un peu spécifique. Il se met à l'envers, vous mettez un coup de gaz et il se remet par torque twist droit. Donc, il est quand même. Donc, il y a deux coques, hein, une coque extérieure pour faire joli et une coque intérieure pour accéder à l'électronique. Donc, l'électronique ici, bon, rien de bien foufou, hein, bien sûr. Un brushless, donc c'est un 2400 kV Heilong. Une hélice qui doit faire du 30, un petit 30, ouais, un petit 30. Donc, en bateau, c'est hyper. Faut être hyper attentif à la qualité des hélices. Là, t'as vu, il y a un petit pet. Parce que sinon, vous perdez énormément en rendement. Globalement, tout se passe bien. C'est un bateau franchement qui fonctionne à 50 km/h. Je l'ai pris parce que je voulais faire du rivière bâche et je voulais tester. Et vous allez voir juste après la présentation là. Franchement, c'est sympa. J'ai hâte d'y retourner. J'ai fait juste un court essai pour voir si ça fonctionnait. Et franchement, c'est top. Ça va, bref. Tu verras, c'est une petite surprise après. Donc ça vient en 4S, normalement c'est qui vient, c'est une 2002, là le bateau vient de chez Tonton Dutille qui a acheté en fait le Max et le Python et qui m'avait envoyé ça pour voir parce qu'il prenait un peu l'eau. J'ai vérifié et c'est vrai qu'il prend un peu l'eau et puis je lui ai demandé par hasard si je voulais le vendre en fait parce que je le voulais. Et franchement c'était une bonne petite bête sympathique. Pour faire de la con, parce que voilà, c'était vraiment ça mon truc. Les fins là, c'est pour aller vite, faire des ovales. Là, c'est vraiment pour aller dans le courant, parce que vraiment, la fonction anti-retournement, elle est quand même hyper, hyper sympathique. Donc, il a fait le job. Pour débuter, c'est sympa. Franchement, après le pas non plus, quoi. Ça reste une coque qui est de débutant. Qui a des performances pas fofolles non plus, mais qui est sympa à voir naviguer. Voilà, donc je valide le concept, vous allez voir, c'est top, enfin moi je trouve ça top. Et pour commencer, franchement, c'est une bonne petite bête. Donc 120 € sur AliExpress, vous le trouvez encore un peu en occasion sur le bon coin, le payez pas plus de 80 € quoi, hein, parce que bon, il y en a qui se touchent, qui le vendent quasiment le prix du neuf. Donc voilà. Petit Feilong, il a une bonne petite bouille, j'aime bien. Feilong FT11, le bateau pour débuter pour moi, qui est sympa, qui a une bonne taille, qui a une bonne bouille, et qui a surtout la fonction anti-retournement. Allez, tout de suite, rendez-vous dans le Rivière Bâche, tout près de chez moi en plus, j'ai de la chance. À plus. Bon, alors, comment vous dire? En ce moment, avec les bateaux, j'ai pas trop de chance, mais on va tenter la chance, regarde. FT011. Normalement il se flippe, normalement, et que normalement ça doit pouvoir le faire. Mais pas longtemps. Parce qu'il est déjà, elle est pas à fond là. Bon, on le fait ou pas? On le fait, allez. Là, voilà. Ah ouais, d'accord. Essaye de faire un demi-tour. T'as vu? J'ai envie de la vivre là. Là,
14. Allez! Qu'est-ce que t'as? Voilà! Non. Eh oui! Tu es mesquin, mon fils. Ouais, tu galères à te faire. Ah bah! Eh non, reviens, reviens! Reviens! Il va passer en dessous! Eh non! C'est du rivière bâche. Va là-dedans. Ouais, bah on y va. Arrête. Ouh. Là de là, elle est morte. Eh non. Allez. Oh merde. Calé. Tu calé. Tu calé. Alors nous sommes au mois de juillet en Alsace. Il fait 16 degrés. Il fait que pleuvoir. Ah. C'est un enfer. Wow. Oh, joli. Quoi? Non mais là si je le mets on va... Ah ouais. Ouais, galère. Allez, on le tente le dernier. Ah mais j'ai plus de... J'ai plus de gaz. Hein? Il y a un truc en dessous? Ah, il y a un creux? Mais non, je ne pas le plancher. T'as plus de batterie là? Bah ben ouais, j'étais pas à fond. Je vais te revoir, attends. Ballot d'aller chercher. Ouais, ce serait ballot d'aller chercher. Ouais, c'est des crottes en haut. C'est du rivière vache. Nous, on a pris pour aller tout ça. Tu l'as pris, Léa. Ouais non, il n'y a plus assez de patates. Voilà, donc ça a été bref, mais intense. Mais finalement, c'était bien ou c'était pas bien? Alors, c'était bien? C'était bien parce qu'il est... Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Hop, on ouvre. Ça fait quand même 30. Ah oui, il y a un peu d'eau quoi. Ah oui, il y a de l'eau. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Ah ouais. Le truc qui les remplit. Ah, par contre c'est toujours aussi chiant à lever. Ah voilà. Ah. Ah ouais. Quand même. Oh ça va. Ouais mais la plupart des choses tu l'as vidé. T'as qu'avant c'était rempli hein. Même faut que je regarde quand même. Mais bon, mais franchement, c'est top, top, ça fait des jumps et tout. On va revenir avec des batteries, moi, je te le dis, moi. Ouais, je t'ai un lit, moi, je t'ai un lit. Allez, salut. Hein.